qui sait les conséquences. Il y a Bamasumu, oh yobiso te considérera Bamasumu, yobiso a miké miké miké. Nakati ya bavi nabiso to ya mili mon abiso. Cher papa, cher maman, et surtout pour nous les jeunes. À partir ce où moni moto a mila ramasanga mi kolonioso. À une haute dose, on va dire quoi? Ah non, azal alcoolique. Ce qui moni moto a fumara mi kolonioso. Ah non, lui il est accro, il est dépendant. Papa, maman, c'est peut-être le temps de décrocher. Peut-être que tu es addict. Peut-être que tu es malade, mais oui, il va répéter. Matché, les kate, yoga, il faut que tu paries. Nigné, les kate, toi. Non, 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 papa. Les 20 euros là, que je mets dans mes Betclic, non. Investis en Dieu. Investis dans les bonnes choses qui vont faire que ton âme, tu ne vas pas tomber dans des choses insensées. Mais ça va te permettre justement de pouvoir grandir et de pouvoir comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Et c'est pour ça que je dis que même par rapport à des tentations qu'on voit dehors, toxiques, okay, bah, qu'on fasse la distinction entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Jonas a émis des doutes. Il s'est posé des questions. Mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais aller là-bas? Mais non. L'objectif, c'est d'atteindre Zambé Zahel qui a sauvé Ninive. Et de ce fait-là, bah, il fallait passer par Jonas. L'objectif de Dieu, il a été atteint. L'objectif de Dieu, il a été atteint. Et c'est passé par nous, les hommes. Nzambe soatidio likambu salango lo lenge ya lingeli ya mo kolongo la te kobakisate. Il sait pourquoi il te dit de le faire, même s'il y a tout le monde qui est contre toi, fais-le, parce que là il y a un intérêt, il a un intérêt, il sait pourquoi il te demande de le faire. Comme à tata pe mwana pe moli mo santu to comme à moment où to le kanamate na biso. Tout d'abord, tout en qui pour rappel, na psaume 13 du verset 2 au verset 6. Tout en qui mibe kona biso dans l'Exode 20 du 1er au 17e verset. Desiko yo kona texte na biso du jour, to rejoir mukanda ya Jonas. To kotanga na Jonas 1, du 1er au 16e verset. P, Tokozoa Lissousou. Na Jonas 3, le 10e verset. Donc le livre de Jonas, du prophète Jonas. 1, du verset 1 à 16. Et enfin Jonas 3, le verset 10. Ce qui t'a commis prêt est Tangelinabiso et Zali Boye, na Kombo Yatata, Yamwana, Pemoli Momosandu. Tobondela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Kiselokele, Papa Dianungana, Papa Diangena Kuntima, Papa Simon Kimor Kiangani, nous vous remercions pour l'amour que vous ne cessez de nous donner. Nous vous remercions pour les opportunités que vous ne cessez de nous donner jour après jour. Nous sommes arrivés en ce instant, Papa, où nous allons écouter ta parole. Te demandons que tu puisses bien entendu nous prédisposer. Moi qui suis devant, papa, je ne suis qu'un simple enfant. Je commets également beaucoup d'erreurs. Mais c'est moi qui ai été choisi aujourd'hui pour être devant mes frères, mes sœurs, mes papas, mes mamans. Que pourrais-je te dire? Je te demande que je sois juste un simple instrument, que tu puisses m'utiliser. Que ce que je dirai puisse provenir de toi, que ce qui sortira de ma bouche puisse te permettre à nous tous qui sommes ici présents, au dernier jour, que nous puissions nous retrouver avec tes anges dans les cieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Okombo ya tata, ya mwana, pe moni momo santu. Lelo, tozali, dimanche, le 3 décembre 2023. Toye nanda kwa nzambe, toye na rendez-vous na biso, poto kwa kokuta na nzambe. Avant toko kwa koya, avant de venir, nous nous sommes bien entendu préparés. Physiquement d'abord, parce que Moutouo aïe salité à Wazalité. Personne n'est venu sale. Tout le monde s'est préparé, tout le monde
C'est lavé, hier déjà, ça avait commencé depuis hier. Tozu bilamba nabiso, to préparé, to ké, mitou cannabiso, to tseba essence pour faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse venir et arriver dans de bonnes prédispositions. Nous osons croire également que Mili monabiso peut être préparé en haut. Que nos esprits aussi, que nous les ayons préparés pour justement être dans de bonnes dispositions pour écouter la parole que les Seigneurs nous donnent. Cela signifie que on a pris le temps, tout au long de la semaine, là où on avait des problèmes, là où on avait des situations, de pouvoir justement passer outre cela, de pouvoir vraiment faire en sorte que ces situations-là puissent passer. Pour arriver justement dans des bonnes prédispositions, Potoyo Kaliloba Tatanzambe, Peza Sika Namite Manabiso. En 1921, Papa Simon Kimbangu, dans son discours à Banzasanda, dira « Na tikeli bino mukanda ya Nzambe. » Je vous laisse la Bible. C'est avec l'objet volé qu'on attrape le voleur. Dans les années 1980, Papa Diangenda nous dira « Na Bible yo, ototangara, à chaque fois que vous verrez, à chaque fois que tu remonnes Israélite, Israélien, tu remplaces en gros par Kimbanguiste. Pambaté, d'une certaine mesure, Ezali, histoire Nabisso, Ezali, Bokoko Nabisso. Et Papa Diangenda est même parti plus loin. Mon Bible, on est aux Anango, tu as corrigé en gros. Et puis, tu as commencé la troisième partie. Parce que je suis un peu comme ça. Quand on prend la Bible aujourd'hui, donc il y a tout un livre qui s'appelle les psaumes. C'est quoi les psaumes? Les psaumes sont des chansons. Et les psaumes sont des chansons. Avec le temps, avec les années, effectivement, avec le temps et l'espace, on a perdu les mélodies de ces chansons. Mais les psaumes sont des chansons. Ces chansons ont été utilisées par nos aïeux, Banzembo Bakoko Nabiso, Yangonde Bazalaki qui ont utilisé Naba cérémonie Nabango, Naba culte Nabango. C'est pour ça qu'on voit que dans les psaumes, il existe différents types de psaumes. Bapsom Moussou Suzali à prière, Bapsom Moussou Suzali à conseil, Bapsom Moussou. Ezali à Kolela ou bien Yarukumi Satatan Zambé. Il y en a 150 aujourd'hui des psaumes. Et à travers les psaumes, on arrive à comprendre que notre spiritualité Yabiso Batou, spiritualité Yabiso Bakimangiste, elle passe justement par des chansons. Yo mondimi esengi na yo oye mbaka. Yo mondimi esengi na yo oye bara banzembo. Oye bara pe signification à banzembo. Pambate, dans tous les moments que tu vas affronter dans ta vie, dans toutes les circonstances que tu vas rencontrer dans ta vie, il y a toujours une chanson qui va te permettre de pouvoir justement accompagner ce moment-là. Et Papa Diangenda ira même plus loin, en nous dévoilant encore un secret dont seul lui a le mystère, parce qu'il est Dieu. Il nous dira, chanter, c'est prier deux fois. Pour montrer vraiment la puissance, encore une fois, que les chansons peuvent avoir dans nos vies. Donc, vraiment, parce qu'il y a une grande signification. Et encore une fois, j'insiste, notre spiritualité passe par la chanson. Kimondi minayo. Totangi lelo, le psaume 13. Le psaume 13, Totangi lelo, c'est une prière. C'est une prière qui est très très forte, ce totalement. Parce que David, dans cette prière-là, c'est un psaume de David, Azali konyonga, Azali kolela. David pleure, il se plaint. Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Éternel, ne me vois-tu pas? Éternel, ne m'entends-tu pas?
Éternel, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu me laisses être un objet de moquerie au sein des gens? Pourquoi tu me laisses vraiment vivre des situations atroces, difficiles comme ça, qui me font vraiment ressortir des choses qui sont négatives? Papa, maman, le point où David a commis, dans le psaume 13, et Zali, ma situation, en tant qu'homme, et encore ce sont des secrets que Papa Dengue nous a révélés, Tozala Ranae Nalikolo, Tondima, Kokita, Wanase, Punaro Bundanae, Punaro Pesae, Maboko Namusala Nae, Kasi, l'air to komiawa, to koutani si qu'on a pas problème, to n'a pas situation, oh Isaac, Isaïe Abisobatu. La maladie, la mort, la perte d'un proche, des problèmes qui nous empêchent de dormir, des problèmes qui nous empêchent de manger, des stress, des situations, les accueillir moraux aussi au Taliango, aux oeufs, ma place au Rubandate, aux hommes, ma place au Rossilisate. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas par où ça va finir. Tu te demandes, mais Tatan Zambé, aux hommes, on a raté. Tatan Zambé, au Tikinaponanini, mais aux Alran Zambé. Donc, on arrive même à un point parfois où on se dit, mais non, c'est trop, mais finalement, Dieu, il existe ou il n'existe pas? Pourquoi toujours moi? Pourquoi moi je dois affronter des choses comme ça? Pourquoi moi je dois... Donc on arrive à un point où Koléla est commis tellement que, comme on peut le voir parfois, donc même dans ta prière, quand tu es face à Dieu, tu pleures, tu n'en peux plus, tu es épuisé. Tu es épuisé, tu n'en peux plus. Et dans ces situations-là, comment réagir? Dans ces situations-là, comment devons-nous réagir? Maman Longhi, tu aussi en as un peu de temps, Sambaï, Sambama, s'il te plaît. Sambaï, Sambama, Sambaï, Sambama, un, deux. Sambaï, Sambama, Longhi, Longhi, Sambaï, Sambama, Bongo!
Nzembo, ils allaient des prières à Bissou Alélo. Bissou Nyoso, nous tous ici qui avons ce type de problème. Je suis malade. Pour ce tout à l'île, on est au Yéboye. Dans nos sacs, bah, qui s'est invité. J'ai des situations qui sont très difficiles. Je dois passer devant un juge. J'ai des problèmes au travail, ce type de situation. Je dois passer des examens ou autres. Et je dis bien, le pire dans ce type de situation, c'est que ces situations s'accumulent. Oromo na mutu, a beli. Mutu wana lera beli, moya ki nesu msala, ezalite. Donc ça veut dire que tu n'as plus de revenus. Quand tu n'as plus de revenus après, il y a des charges qui arrivent qui sont normales parce qu'on vit encore une fois dans ce monde. Donc ça veut dire quoi? Que tu ne vas plus réussir à payer ton loyer? Que tu ne vas plus réussir à payer tes charges? Au commune à Banyongo, ainsi de suite. C'est ça notre réalité, c'est ça qu'on vit. Pour nous les jeunes, Nzembo, Toyembi, Ezaline de Devoir Nabisso, qu'on essaie de trouver la traduction de cette chanson. Elle existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle existe sur les réseaux sociaux. Cette chanson, dans son refrain, en lingala, elle dit « Uta bomwa nananga, kimia ezalite. Kosambe la nanga, la zangi kozulango yano. Ma beni na sala, oyo ezanga, boli miso miso na yotata. Kani selanga. » Allons faire l'effort d'aller chercher la traduction de cette chanson. Et il y a des gens qui font ce travail-là dans les chorales, dans nos mouvements, t'encourager, Bamopé. Et à nous de faire en sorte de pouvoir apprendre et comprendre le Kikongo. C'est très, très, très important. Il y a des cours qui sont donnés aujourd'hui, mais je pense qu'on... Tozo Baklé en haut. C'est très important dans notre spiritualité, le Kikongo. Naboko Konabiso. Pourquoi je dis ça? Simple exemple. Papa Diangé n'a salé accident à l'Okulu. Aléline à français, papa yo qui était. Aléline à lingala, papa yo qui était. Aléline à Kikongo, c'est à ce moment-là que papa Simon Kimaru est arrivé. Donc faisons l'effort vraiment de comprendre, de maîtriser, même si c'est dur, même si ce n'est pas quelque chose de simple, de facile, mais faisons l'effort de maîtriser le Kikongo. Donc voilà notre prière aujourd'hui. Ça fait mal, ça déchire, ça stresse, on vit vraiment des choses dures. Mais comment devons-nous réagir justement face à ce type de situation? Bisobanzi. Que devons-nous faire, nous, en tant que chrétiens, quand on est dans ces situations qui font mal? La réponse, elle est dans le verset 6. Dans le verset 6, ici, il est écrit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Torote les mamans dans ma mouquet. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien là? C'est du passé composé. Je ne sais pas exactement dans quel moment dans la vie de David ce psaume a été écrit. Mais David, il vit une situation et ça l'y passe, qui le déchire au plus profond de lui, au fond de lui. A komi na ngongawana le binan nzambe a salanga bolamu. David l'air avandi a le binan. Mais nzambe oyo azoyo kangate azomo nangate me. Hier, j'ai dû affronter Goliath. J'ai dû affronter Goliath. Maintenant, il y a longisanga bitumba wana ya Goliath. Ezaka nzambe ti. Hier, dans ma vie, je me suis retrouvé dans une situation face au roi Saoul. Hier, même quand je me suis mal comporté, j'ai eu une situation avec Uri. Mais Nzambe Alexinga Bolingonaye a tenilinga prophète Nathan pour na comprendre, na changer. Nzambe Alexinga Likamwana. Pire encore, je me suis retrouvé dans une situation avec mon fils, Absalom. Imaginez-vous, moi, Nanayo Moko, Oyo Boti, Azan Aposa Bomayo pour récupérer Bukondinayo. David s'est retrouvé face à ça. Est-ce qu'en tant qu'homme, on peut avoir une situation aussi grave? Moi, Nanayo Oyo Boti qui veut te tuer pour récupérer ta place. Mais Nalika Mwana, encore une fois, Tata Nzambe Alongsara David.
Yango David a dit non, quoi qu'il puisse arriver, atakutu situation ngo zandenge nini. J'ai confiance parce que à salanga bolam. Dieu m'a fait du bien dans ma vie. Et c'est pareil pour nous tous qui sommes ici dans cette, au sein de cette salle aujourd'hui. Suite au lobito banaro témoigner makambo tata nzambe a salanga ba vina biso, on va peut-être prendre même toute une semaine pour mutu na mutu oa azana eloro naye. Suite au tali awa dans cette salle netozabo, il y a des gens. Cette personne devait se faire opérer. Azobanga, dans la nuit à l'Otindoto, à Moni Papa. Le binangwa qui n'est pas opéré, là, bah, talibo. Non, monsieur, toi, on ne va pas t'opérer aujourd'hui. Finalement, ça va bien. Toloka Rabat miracle. Ce sont les miracles qu'on a vécu ici. Et ça, bah, tu me souces, bah, kangama, car on est aux arbres. Bah, kangama, bah, le binan, azozong, Afrique. Ceci, ceci, cela. Ah, à Monika, soit Naboutou, ou bien un appel, ou quelque chose. Non, les rarobi, ma rabo, et pas. On a vécu ça ici. On a vu des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. On l'a vu. Miracle. On a vu des gens qui sont passés par des situations mais vraiment très très compliquées. Mais un jour, Dieu va agir. Et parce qu'il a déjà agi dans nos vies. Il a déjà fait des choses dans nos vies. C'est notre Dieu. C'est pour ça que la situation est aux vivres. Parce que la vie est devenue difficile. La vie est compliquée. Plus on avance, plus c'est difficile. Et ayons ce réflexe que David a eu. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en lui. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Et ça fait mal, parce que comme je l'ai dit, on vit des situations qui sont compliquées, qui sont difficiles. Mais nalikamwana ozalaranango, nalikamwana o empêchera yo lala, nalikamwana o vivara o et ça là que... Tu te sens pas bien ou tu te poses vraiment des questions. Yebarango, Tata Nzambe, Ayebi, il va agir. Karamararanaye. Et surtout, chante. Parce que c'est par le chant qu'on va réussir justement à établir cette relation-là avec notre éternel. Arolé l'abisso. Aroyo que l'abisso, pardon. Il va nous écouter, il va nous entendre, il sera attentif à nous. Parce que c'est ce travail-là qu'on doit faire. Il va pas nous lâcher. Chante. Léla. Fais ton travail. Et à travers là, tu vas voir que non, Dieu va te répondre. Dieu sera attentif à toi. Tangi mibe konabiso dans l'Exode 20 de 1 à 17. Ces commandements. On sait que c'est notre ligne de conduite, Yabiso Banzimi, c'est le comportement, le caractère de Dieu qu'on doit avoir. Totarango dans chaque répétition, Totarango dans chaque moment, à la soirée ou autre. Toye bien gopé. Toye bien gopé, parce que Totarango, donc ça veut dire que Toye bien gopé. Kasi, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est. Nakolo, le rejet qu'on fait des mibé. Le rejet qu'on peut faire de ces commandements-là. Mibé koizali comportement ya tata nzambe. Mibé koizali na bolingo na ye na zuwa ozala na ko na biso bato na ye a pesi biso bibeko. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une posture où on veut rejeter ces mibeko-là et on se dit que non, ce qu'il y a à côté, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux vraiment? Non. Tata Nzambe, à partir du moment où il a donné ces commandements-là, dans la Bible, hors Bible, pour nous les Kimangistes, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous aime. J'ai vécu une expérience en début d'année, Oyo et Kofer, sans doute réfléchir, Bissot par rapport à Yami Beko. En début d'année, Nazokumba, Mutuka, une voiture neuve, hein. En tout cas, Moutouka, on a commis pour la course, on a parqué Moutouka, on a côté magasin, on a fait la course, et on a bimi, on a démarré voiture, voiture réseau démarré, elle se soutait. Il y avait très peu d'éclairage, il y avait très peu de, vraiment de luminosité, pardon. On a bolingo, on a chauffeur, on est aux alaranango, parce qu'il y a une grande, il y a de l'amour entre les chauffeurs, chauffeur, on se soutait, à Bétinaminde. Donc, il m'a fait des appels de phare.
Quand il me fait des appels de phare, il me montre, il fait « Regarde là, de ce côté-là. » Parce que moi, j'étais du côté chauffeur. L'air n'a quitté, je vois l'autre côté, je vois qu'effectivement, un liquide par terre. Avec l'odeur, je comprends que non, le liquide est un CA, c'est de l'essence. Le liquide qui est par terre, c'est de l'essence. Ok. Bon, j'arrive à me débrouiller, à me dépatouiller un peu. La chance que j'avais, c'est qu'il y avait un frère à moi qui passait. Toqué, t'as soumis sous essence, là, t'as poussé voiture quand est à la voiture et débarré moi mon quai. N'a poussé un mot dans un autre espace où il y avait un peu plus de lumière. Bon, je ne suis pas mécanicien, mais la fond les capot natal, là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une voiture neuve comme ça qui d'un coup ne démarre plus, non, c'est pas normal. Na fond la capot, vous voyez, je commence à vérifier un peu à gauche, à droite, avec un peu de luminosité, c'était la nuit. N'a eu téléphone natal, là, vous voyez. Et je me rends compte, en fait, que la durite, donc, c'est un câble. Ce câble-là est où tu as du réservoir d'essence et Kenaratine à moteur. Ma durite est fissurée. Ah, mais comment c'est possible? Tu te demandes même, mais à où tu as salé en gros, quoi. Non, ma durite est fissurée. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'essence qu'il y avait dans mon réservoir, moyen et alimenté moteur et zalité. Et je vous dis, cette durite-là, elle était 5 cm, hein, pas plus. Et quand on a acheté la durite, ça n'a même pas coûté 5 euros. À peine 5 euros, j'ai donné 5 euros, bah, donc je n'ai pas ma pièce. Quelque chose de comme ça. Quand on a changé cette durite, pareil, ça a duré à peine 5-10 minutes. Si quand on a vendu, je me suis posé la question. Mais comment une voiture qui est presque neuve, comment dans cette voiture qui est presque neuve, qui veut peut-être 20, 30, 40 000 euros. Et l'euro à 5 euros, gara, il y a mon képé et empêché Moutouka et Tamboula. Quelque chose qui pèse à peine quelques grammes de 5 cm, mais ça empêche la voiture qui pèse presque une tonne et demie de rouler. Je me suis posé la question, mais comment est-ce que c'est possible? C'est là où j'arrive à ma réflexion. Nabisso, Neto Vanille et Loboye. Qui sait les conséquences? Il y a Bamasumu, oh Yobiso te considérera Bamasumu, Yabiso a Mike, Mike, Mike. Nakati, ya Bavi Nabiso, to Yamili, mon Abiso. Qui sait les conséquences? Il y a Bamasumu, Nabiso, to Yaba faute, Nabiso, Nabanzoto, Penamili, mon Abiso. Dans le cadre de la voiture, c'est une pièce de 5 cm qui a fait défaut. 5 cm, à peine 5 euros. D'accord? Le réservoir se vidait. Essence et Zokende, hein, avec le prix de l'essence aujourd'hui, vous voyez seulement, donc ça faisait vraiment mal au cœur. Mais essence et Zokende. Prends le réservoir maintenant. Tu te dis que le réservoir là, c'est ton esprit. Donc mon limo, pardon. Parce que il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Ton esprit, donc l'esprit, qui bonzame aux anakatinayo. On a dimanche, avant Naya, n'a repassé n'a. Alors qu'il va payer que ça. On a dimanche, avant la lambara. Moi, tout au long de la semaine, la tika ramande funanga, anatananga bâtissage. Ah, on voit ça que le dimanche. Qui sait les conséquences que ça peut avoir dans notre vie, encore une fois, j'insiste. Personne. Personne, personne. Dans le cas de la voiture, voiture est koufi. Dans le cas de la voiture, voiture est koufi. C'est là qu'il y a intervention, comme je dis, il y a un mécanicien, ceci, 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 cela. Mais pour Nabiso Batosigo, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'on puisse réfléchir là-dessus. Et Zaneli Kamboachoua, Bissobatou, on a ce qu'on appelle une conscience. Cette conscience-là, elle nous permet justement de pouvoir faire des choix, de pouvoir réfléchir, de savoir se positionner par rapport à Yamakambo, tout ça là. Cette conscience-là, on doit l'alimenter. Cette conscience-là, faut comprendre que conscience en haut, surtout pour nous les jeunes,
Cette conscience, c'est comme un muscle. D'accord ? Quand on veut travailler ses pectoraux, quand on veut travailler ses jambes, ou quand on veut juste maigrir, on va aller à la salle, au moins, on trouve vraiment 2, 3, 4 heures à Kenara. Sport, musculation pour travailler. Notre conscience, c'est pareil. Notre foi, c'est pareil. On doit la travailler. On doit l'améliorer. Et pour cela, on doit être proche de Dieu. Il faut être proche, Alikamwatata Nzambe, pour que cela puisse se faire. Il y a des comportements, parfois, ou des choses qui ne sont pas naturelles. À nous de forcer la nature, pour comme ajustement naturel. On a atteint la Bible. Ok, très bien. Commence par télécharger l'application de la Bible. Mets-toi deux notifications, une le matin, une le soir. Comme ça, quand tu regarderas ton téléphone, ça va t'obliger. Aujourd'hui même, sur le Spotify gratuit, il y a des chansons de l'Église. T'écoutes, ça va te rapprocher de Dieu. Ça va te faire comprendre. C'est le choix, encore une fois. Dans les films, ou dans certaines situations, parfois dans les théâtres, dans tout ce qu'on peut regarder à la télé ou autre, il y a des moments, tout le monde, dans certaines situations, par exemple, moto à quoi ici portefeuille, moto à quoi ici mot. Toi, en tant qu'homme, tu vas arriver, ah, côté au monien, j'ai l'humoro, abimi, côté au monien, un petit diablotin qui sort. Les deux psychos discutaient, mais les yeux, ils sont en train de te parler. Ils sont en train de te dire à ce moment-là, le diablotin qu'il ne faut pas écouter. Non, récupère l'argent. Si tu récupères cet argent-là, regarde, tu as tel problème, tu as telle situation. Avec l'argent qu'il y a dedans, c'est un signe. Tu vas pouvoir justement régler ces situations-là. Et de ce côté-là, on va voir le bon ange qui va nous dire, non, c'est à quelqu'un. Peut-être que lui aussi, il a des problèmes, il a des situations. Zwambo, Wana, Kine, Ozong, Selaye, c'est du vol, ça ne t'appartient pas, c'est à lui. Dans ce choix-là, encore une fois, qui allons-nous choisir? Qui allons-nous écouter? Qui allons-nous choisir? Qui allons-nous écouter? Parce que notre comportement, justement, on a envie de bien faire. Les situations tokutanaranango parfois font que on peut dévier. Et c'est là, justement, où notre travail doit être fait. C'est là où il faut raviver nos foi. Je vais demander une nouvelle chanson dans la main longue, ici, s'il vous plaît. Na moté ma peau sande to salama sumo na bino kopo sande bobe nga nga nzambe. Na mité ma peau sande to salama sumo na de. Namite ma posa ndevo sala masumo. Naminoko posa ndevo benganga inzambe. Namite ma posa ndevo sala masumo. Naminoko posa ndevo benganga inzambe. Solo ndenge nini nasepelisa solo mitema mibale solo ndenge nini nasepelisa solo mitema mibale soki bomoni bani mibazani ebele. Zokande bandimi nangai bazali mingi te. Soki bomoni bandimi bazali ebele. Zokande bandimi nangai bazali mingi te. Solo ndenge nini nasepelisa. Solo mitema mibale. Solo ndenge nini nasepelisa. Solo mitema mibale. Merci maman. Cette chanson, moi, elle me fait mal. Elle me fait mal.
soki bomoni bandimi bazali ebela zokande bandimi nanga bazali mingi te. Waouh. Non, on est au Tonizia, ça veut dire que finalement, la tata Nzambe, tous les amis sont mouqués. Et tout ça par rapport à quoi? Par rapport à Mibeko, ou à Tindarabiso, tous les amis, tout ça. Le choix. Pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, cette chanson, elle dit mon cœur a envie donc de dévier, mais ma bouche a envie de glorifier, de louer Dieu. Mais c'est notre attitude, c'est notre comportement qui va faire la différence. Non? Si on vient ici, regardez comme il fait froid dehors. Hein. On a mis nos essences, on a mis plein de choses, alors que maintenant, on a fait le choix de pouvoir venir ici. Pardon. Mais Bekoto, il y a bien mot, comme je le dis. La difficulté, c'est pouvoir les mettre en application. Donc on puisse vraiment faire en sorte, il y a Toye, on peut tout maîtriser. Torotelema, Namibeko, rapidement, sur le verset 12. Et ça, c'est spécifiquement pour nous les jeunes. Dans le verset 12, on dit « Honore ton père et ta mère, afin que ces jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honore ton père et ta mère. D'abord, donc, honore ton père et ta mère. Il y a les parents. Les parents, bolemba bisoté. Les parents, botika bisoté. Les parents, ne nous délaissez pas. Ne nous laissez pas. Votre rôle en tant que parent, c'est de nous éduquer. Votre rôle en tant que parent, c'est de nous transmettre. Votre rôle en tant que parent, c'est de nous donner une base. De nous poser un guide. Que vous soyez, pardon, des guides pour nos vies. Soyez des modèles pour nous, les enfants. S'il vous plaît. Les parents, soyez des modèles pour nous, les enfants. Aujourd'hui, c'est que Totali, ça peut même peut-être nous faire rire, mais qui va donner aujourd'hui le nom de Oboti Mwana Ozui, Mwana Wana Opesie Komboya Juda? Personne ne va faire ça. Qui aujourd'hui, au Botimwana, au Pessier Komo, il y a Hérode? Personne ne va faire ça. Pourquoi? Mais bah, ça, là, ma grand-mama B, Bakena, bah, ça, ma grand-mama B. Aujourd'hui même, c'est ah, Moutoussoura trahir, Yoyomora, mais toi, tu es un Judas. Moutoussoura Mouni Azaka, colérique, ah, mais toi, tu te prends pour le roi Hérode ou quoi? Bah, Komo, on est Kenama B. S'il vous plaît, les parents, soyez des modèles pour nous. Beauté et Abisso, ne nous laissez pas. On a besoin de passer du temps avec vous. Beau encadré Bissot, transmettez-nous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des différences par rapport à la culture, c'est vrai qu'il y a la différence par rapport à la langue ou autre. Mais s'il vous plaît, tout ça, là, est fort. Ouais. Moi, dans la Kenara classe, yo parents, les barotouna, yo, ah, moi, dans la classe, nine. Ah, on a évité, hein, bon, Bissot. Bon, Bissot, ils arrivent à première, deuxième, troisième CO. Bah, on s'y couille Kitaka. Donc, on peut-être quatrième. Non, papa, intéresse-toi à ton enfant. Demande-lui en quelle classe tu es. Quatrième. Ah, au Kangi, quatrième, moi. Oh, oui, bah. On va plus loin. Toi, en tant que parent, classe au moins, on a eu à t'en arrouiller bien goûté. Professeur, naïe, quand tu fais toute l'année, puis au moni, professeur, t'es. Ben non. Comment tu vas suivre ton enfant? Comment tu vas savoir ce qui se passe? Moi, na place à Zokende, ma camarade naïe, oyebite. Bisika kendara, oyebite. Soyons responsables avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, on doit faire face à une certaine concurrence. Cette concurrence-là, c'est quoi? C'est dehors. Et nous, les enfants, aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps dehors qu'à la maison. Tokenara classe, Tokenara basport, tout ça la ramagambe belé tout au long de la semaine. À la maison, l'air au roson arara, au vandi, au salimois de voir, et après, c'est l'heure de dormir et tout ce qui va avec. Donc, ça veut dire que le peu de temps, s'il vous plaît, les parents, où on est avec les enfants,
Concentrons-nous sur nous, sur les enfants. Passons du temps avec eux. Discutons avec eux. Discutons avec les enfants. Ne les laissons pas. Ne nous laissez pas, pardon. Pourquoi je dis ça? C'est à travers ces échanges, c'est à travers ces moments-là où on va être avec les enfants, qu'on va pouvoir leur transmettre. Abouyebi, hein? Bisoulia tozalan koko là, pardon. Talaboye, talaboye, talaboye. Ah, Bisso, avant on faisait ça comme ça, comme ça, comme ça. Si on faisait ça comme ça, c'est par rapport à telle, telle, telle situation. C'est pour ça qu'on agissait de la sorte. C'est difficile, c'est compliqué, mais s'il vous plaît, prenons nos responsabilités. Ne laissons pas la rue éduquer nos enfants. Ne laissons pas des gens que nous ne connaissons pas éduquer nos enfants. Ne laissons pas même juste l'école éduquer nos enfants. Nous-mêmes prenons cette responsabilité-là. Likamunabiso ezali abiso. Boko konabiso ezali abiso. Makamutozo, monakuna ezali abiso te. Mais soit au kangamina ngokuna, ça va nous poser des problèmes. Ça va nous poser des vraies situations. À nous de mettre les gardes fous. Ou de surveiller justement tout ça pour qu'on puisse vraiment ne pas tomber là-dessus encore une fois. Et pour cela, il faut être proche des enfants. Il faut les connaître. Il faut passer du temps avec eux. Il faut discuter avec eux. Il faut leur faire comprendre. Il faut être sévère. Il faut être autoritaire là où il le faut. Il y a des moments où il faut les... Donc, en fonction du moment où on va être, on va se comporter différemment. Mais s'il vous plaît, ne laissons pas les enfants. Soyons responsables. C'est vrai que parfois c'est difficile, juste les devoirs. C'est vrai que parfois c'est compliqué, juste il y a un tas de choses qui peuvent se passer qui font que c'est difficile. Mais s'il vous plaît, ne laissons pas cette tâche-là. À nous les enfants maintenant. Notre rôle en tant qu'enfant, je vais dire pour être original, c'est d'être des enfants. Soyons des enfants, ne cherchons pas s'il vous plaît à être adultes trop tôt. Première des choses. Nos parents vont nous donner une éducation qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse les écouter, qu'on puisse les suivre, qu'on puisse comprendre ce qu'ils veulent pour nous dans nos vies. Je ne crois pas, parents moraux, Alinarailor Mora Mabe Ponamonanaye. Je ne pense pas que ça puisse exister. Quand tu penses la douleur, quand tu penses les difficultés, quand tu penses les 9 mois de grossesse, je ne pense pas qu'une personne vraiment ou ton parent puisse te vouloir du mal. Je n'y crois pas. Surtout quand on sait comment c'est difficile. Je n'y crois pas. Mais la réalité, c'est que Bissot Bajoun et l'autre commis impoli. La réalité aujourd'hui, c'est que nous, les jeunes, tous ceux que le sous parents n'a bissoté. La réalité, c'est que nous, la jeunesse, aujourd'hui, on a un vrai problème. On a un grand problème. Nous devons respecter nos parents. Surtout nous qui sommes ici, dans le contexte, prenez un jour un papa, une maman, au Congo, en Angola, à Brazzaville, en Centrafrique ou autre encore après. D'accord? Ce papa-là, cette maman-là, un jour, il s'est réveillé, il s'est dit, moi je vais chercher une vie meilleure. Là où je suis aujourd'hui, ça va, mais je peux peut-être aller chercher une meilleure vie quelque part. En Afrique, hein, pas ici. En Afrique. Abundi, à Kangisimbongo, il fait des démarches. Il arrive, il vient s'installer en Europe. Quand il arrive ici, à Bengisimwa Sinae, pareil, avec des difficultés. Il va plus loin. Ce qui peut ban à Bazalaki, à Bengisisusubananayao. Nos parents aujourd'hui, quand on regarde, vraiment pour nous les plus jeunes, les métiers qu'ils exercent, ça fait mal au cœur. Il y a des mamans, il y a des papas aujourd'hui, ils se lèvent à des 3h, des 4h du matin. Avant, on a Sergi Pontoise, mais à ça, là, on a Massip Alezo. 3h, 4h du matin, il s'est réveillé pour aller au travail. Pendant ce temps-là, toi, tu es en train de dormir, tu es au chaud. Pour que quand tu vas rentrer, à l'équipe Susuna au champ, ou bien à Lidl, à Saliba Course, Yoler Orozonga, au Kouti Moua Gouté, au Kouti Bilewa Olia, au Kouti Bajju. Ce est Bilou Repes ATP, au déclaré et au boudé. Regardez les métiers pénibles hein, qui sont venus exercer. Moi, je me souviens d'une fois,
sur un chantier. J'ai croisé des papas de l'église, ici, en plein hiver sur un chantier d'électricité. Mes frères, mes sœurs, ça fait mal. Oh mon tata mobima, la tikagoul. Oh biso to la tate, parce que biso, toi, bah toi, style. Nous, on va pas les mettre, mes papas, la tikagoul. Pourquoi mal lit les obétaillés? Moins 2, moins 3 degrés dehors, et il est en train d'installer des néons de lumière dehors. Les mains sont glacées. Et nous, ces papas-là, ces mamans-là, on va leur manquer de respect. Mais ça va être quoi, en leur manquant de respect, là? Ça va nous apporter quoi? Mais que des malédictions, on ne les honore pas. Que des malédictions, on ne les honore pas. Sur nos parents, même, pour aller plus loin. Et c'est là où on doit se rapprocher d'eux. Regardez, nos papas, nos mamans, ils vont se lever à 3h, 4h du matin pour aller faire des travaux que nous, on ne veut pas faire. À la fin du mois, au moins, à maman, on a moins 1 200 €, hein, 1 300, pas plus, hein, vous attendez pas à... Non, 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 c'est des 1 200, c'est des 1 300 €. Mais maman, on a 1 200, 1 300 €. Que bonne Hormona, Azarna 3, ma Kelemba. Hormona, avec ces 1 200 € là qu'elle gagne, moi, économie paye à moi 10 000 les Alara. Hormona, avec ce travail qu'elle est en train de faire là, avec son organisation, à ton rappé moi qu'on a en Afrique, à ça, la rappé moi prochaine, aller à gauche, à droite. Mais toi et moi ici, là, cadre supérieur, qui allons faire du télétravail tous les jours à la maison avec nos ordinateurs. On gagne quoi? Des 3000, des 3500, des 4000, parfois même plus. D'accord? On passe notre temps à quoi? Uber Eats, Shine, Amazon. Aller commander des choses, aller... Du gaspillage, en gros. Il y a des choses qui sont utiles, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. D'accord? Pour finir, en plus, à la fin du mois, en découvert, alors que tu as eu un gros... Tu pas de charge, tu rien du tout, mais à la fin du point, tu plus rien. Parce que tu as dépensé ton argent. Mais la maman, là, il y a 1 200 €. Et il y a une maman économie. Là, et... C'est une sagesse qu'on doit aller chercher chez nos parents. C'est une intelligence qu'on doit aller chercher chez nos parents. C'est ça, l'objectif. C'est ça, l'objectif. Parce que, qu'on veuille ou pas, nos parents... Ben, c'est nous, demain. D'une certaine façon, on va devenir comme eux. D'une certaine façon, on va devenir comme eux. To karamana boko kon abiso. To karamana histoire nabiso. To karamana likamo yatatan zambé. La semaine dernière, nous, musiciens, nous n'étions pas là. Enfin, nous n'étions pas ici à Saint-Denis. On était ailleurs. Mais dans la semaine, j'ai eu l'occasion, il y a Oyoka, serment, il y a... Enfin, discours, il y a papa, pasteur, responsable. Il insistait encore sur le fait que non, photocode ça va mindele, photocode ça va toi biko lomisus. Donc il insiste vraiment sur le fait que d'autres communautés doivent faire partie de nous ici. Je m'adresse aux jeunes, vraiment, entre nous, regardons-nous. D'accord? C'est nous qui sommes au contact de ces gens-là. C'est pas forcément eux. Bisso batoboturote abango. Eux, ça sera plus de l'encadrement. Mais c'est à nous, à travers le travail qu'on fait, à travers notre comportement, à travers notre attitude. C'est nous qui allons faire que, justement, ces gens-là qui sont dehors vont s'intéresser à nous. Ça commence à l'école, ça commence au travail, ça commence au sport où on va, ça commence dans tous ces lieux où on peut aller. Vous attendez pas, parce que peut-être qu'eux, ils seront limités sur le langage ou sur les explications. Mais toi, moi, on s'est parlé. Toi et moi, on a leur code. Toi et moi, Toban Rabamoté, on sait comment on est avec eux. C'est à nous, cette responsabilité-là qui nous incombe. C'est à nous de faire ce travail-là. Et pour ça, il faut être bien armé. Il faut être bien armé. Or, aujourd'hui, si tu demandes à un kimanguiste ou même à un jeune, pourquoi on ne doit pas danser? Oh, je sais pas, c'est juste l'église. On ne doit pas danser parce que c'est pas bien. Pourquoi on ne doit pas fumer? Ah, je sais pas, franchement, bon, c'est quand même bien qu'on église, hein, mais... À nous de faire l'effort d'aller chercher les informations. On a une religion qui est jeune. Une centaine d'années pour une religion, c'est jeune. Il y a plein de choses, on le voit aujourd'hui même dans d'autres confessions.
Il continue de s'adapter au monde, il continue de voir comment ça évolue. Et mi beko ya sika, ezalika koya, c'est koya. Pour nous, c'est pareil. Faisons l'effort de nous intéresser à Likamoya Tata Nzambe. Faisons l'effort de nous intéresser à Simo Kimbangu, à son histoire. C'est ça qu'on va apprendre aux gens. On va te demander pourquoi tu fumes pas, pourquoi tu danses pas, mais pourquoi tu as une attitude qui est différente de la nôtre. Et c'est là justement notre travail va commencer. C'est là où, à travers justement ce changement, on va être capable. Parce que ça n'a que des bienfaits. C'est une religion qui est exigeante. Hein. C'est pas difficile. C'est exigeant aujourd'hui d'être Kimbangu, il ne faut pas se mentir. Par rapport à la vie qu'on a, par rapport à tout ce qu'on voit dehors, par rapport à tout ce qu'on fait, c'est difficile. C'est pas une insulte de le dire. C'est compliqué. C'est pas évident par rapport à tout ce qu'on peut voir dehors. Mais Ezali a bisoté, on Ezali a monkili. Eza Makamo, Satan a sopi pour qu'on puisse justement être perdu. Mes jeunes sœurs, on nous en demande beaucoup. S'il vous plaît, mais préservons-nous. Préservons-nous, préservons-nous. C'est dur. Les pantalons, les tissages, trop de maquillage, c'est dur, c'est compliqué. Mais faisons l'effort, faisons l'effort. Et même parfois, vous avez l'impression qu'on vous en demande beaucoup. Mais pour nous aussi, les papas, prenons ce verset pour qu'on puisse réfléchir à une chose qui se passe en ce moment, un phénomène. On va prendre, s'il vous plaît, 1 Timothée 6, verset 9. 1 Timothée 6, verset 9, s'il vous plaît. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je répète, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tout ça, l'église, au moment là, Papa Moro a Vandi. T'as l'impression qu'il est en train de réfléchir. Hein. T'as l'impression qu'il est en train de se poser vraiment des vraies questions sur sa vie. Oh, il y a vraiment tout naïe, tu vas lui demander, mais papa, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est grave. Ah, Réal et Bominga. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'avais une côte de vin là, mais ah, le pari, il n'est pas passé. Les paris sportifs pour nous, les jeunes, s'il vous plaît. Ezali, abisso banzimité, totik a pas comportement, on a totik habitude, wana. C'est pas pour nous. Winner, bet click, ceci, cela. Ezali, abisso te banzimi. C'est de l'argent qu'on pense gagner facilement, ou de l'argent même qu'on pense noble. Mais Ezaï a bisauté. Le hasard n'existe pas, déjà. Le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu gagnes de l'argent, c'est parce que Dieu aura voulu que tu gagnes de l'argent. Point. Que Mbappé mette un doublé, un triplé, que le Barcelone Real gagne, c'est Dieu qui... D'une certaine façon, c'est Dieu qui l'a permis. Mais toi, tu ne peux pas prendre ton argent, le peu que tu as, aller le mettre là-bas pour aller le multiplier. Qu'est-ce que ça va faire, cet argent-là? Certes, ok, tu t'enrichis. Mais ça se va, encore une fois, comme c'est écrit. Hein. Tombe dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Personne n'a gagné face au casino. Hein. On peut tous rentrer dans un casino aujourd'hui, tout le monde à Moutoumoro a gagné peut-être 1 million, tout s'est pélé. Mais au final, c'est le casino qui va gagner. C'est pas nous qui allons gagner. Dans ce genre de choses, c'est pareil. Et pire, peut-être parfois on ne se rend pas compte. Cher papa, chère maman, et surtout pour nous les jeunes. À partir de ce moment, on met la ramassanga mi-colonios. À une haute dose, on va dire quoi? Ah non, c'est l'alcoolique. Ce qui est au moment, à fumer à Mikolonios ou... Ah non, lui, il est accro, il est dépendant. Papa, maman, c'est peut-être le temps de décrocher. Peut-être que tu es addict, peut-être qu'on est malade, mais oui, bah répéter. Match les katé, yoga, il faut que tu paries. Nigné les katé, toi... Non, papa. Papa, Simon qui m'a aucun manière. Attends, après ça, bon, on a Bisso, hein. Il y a Pili Pili, il y a Pondou, ainsi de suite. Tolouka Sagesse, on a les 20 euros, là.
On l'a vu à Kounzoulou. À Kounzoulou, Toloni, Batoualoni. Il y a des choses qui se sont multipliées, coup tout place, Batoualoni a quitté. Comment on peut le comprendre? Mais l'air production est bimie par rapport à ce qui était prévu, c'était même plus. C'est le moment, encore pour nous les jeunes, allons chercher la sagesse et nos parents. Chez cette maman-là, qui gagne 1200 euros là, et qui est capable d'avoir des projets au pays. Les 20 euros là, que je mets dans mes Betclic, non. Investis en Dieu. Investis dans les bonnes choses qui vont faire que ton âme, tu ne vas pas tomber dans des choses insensées. Mais ça va te permettre justement de pouvoir grandir et de pouvoir comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Et c'est pour ça que je dis que même par rapport à des tentations qu'on voit dehors, tout n'est pas permis. Enfin, certaines choses sont utiles, mais tout n'est pas permis. Qu'on fasse la distinction entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Totamaki ensuite, dans Jonas 1, 16, et dans Jonas 3, le verset 10. Jonas est un prophète. Pour nous, les jeunes, quel est le rôle d'un prophète? Un prophète, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un prophète, c'est quelqu'un qui va, à un moment dans sa vie, avoir un message, avoir une mission. Et Nzambe a rosoyé à Tindie quelque part, ça est langa likambo, ça la boy. L'obé langa panabato, l'obé langa boy. Quand on dit que Simo Kimbangu pour certains est un prophète, non, Simo Kimbangu n'est pas un prophète. Simo Kimbangu est Dieu. Le terme de prophète, il vient d'une mauvaise traduction. Ntoumoi. Ntoumoi, c'est l'envoyé. C'est pas un prophète. Et donc, il y en a qui ont entendu envoyer, ils se sont dit, bon, Ntoumoi, un peu prophète. Non. Le prophète, c'est un prophète. C'est un homme qui, à un moment, est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ntoumoi, c'est autre chose, c'est l'envoyé. Donc, à nous, les jeunes, de ne pas faire cette erreur-là et vraiment de contrôler ces choses-là. Quand on nous dit ça, Totangi, l'isolo, il y a prophète Jonas. Je crois, histoire Toyebiango. Je crois cette histoire, on la connaît tous, on l'a déjà entendue. Jonas, prophète qu'il est, Nzambe, Atindie. Atindie, va à Ninive. Kenerotea, dis-leur que Mabe Nabango et Mati Naokiango, Naroboma Bango. Ninive n'était pas du peuple juif. Donc, vous allez me boucler à Moussous. Au contraire, Ninive, c'est une ville qui. Bazalère à chaque fois qu'on bunda avec le peuple israélien, avec le peuple juif. Jonas, à Tali, vous voyez mes faits. Tata, nous avons. À mon idée, qu'il y a une bisouna barote, il y aura un raté, Kuna. Comment ça fait, Tinara Kuna? Non. Nous avons attendu Jonas à Ninive. Jonas y est à Kenaye, à Tarsis, dans une autre ville. Donc pour qu'on puisse comprendre, nous les jeunes, donc tu reçois l'appel de Dieu pour aller par exemple, papa Jason, qui est en Allemagne. Moi je ne parle pas allemand, là-bas aussi on ne s'entend pas très bien. Ok, d'accord, très bien. Zalba, tu n'iras pas à Ninive, on est en Allemagne. Moi j'ai plutôt allé aux États-Unis, parce que c'est ce qui s'est passé, il est parti à l'opposé. Azoki Malikamwatata Nzambe. Alors, l'air Akimé Likamwatata Nzambe, il s'est retrouvé dans une position où il était sur un bateau. Dans ce bateau-là, grosse tempête. Grosse tempête, bateau oiseau comprend, il se sautait. Et peut-être pour se projeter, hein, Tozora Vion, Tomonara parfois, ça bouge. Mais je vous assure que sur un bateau, ce qu'on ressent dans un avion, c'est rien du tout. Parce que quand tu es sur un bateau, c'est toujours en train de naviguer. Mais alors s'il y a une tempête, d'être au Kenara, à Londres, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, je vous assure, c'est très difficile. Alors imaginez-vous, au Mati sur un navire, en plus, Nzambe na Kanda wana yokeli était. Dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Jonas à l'Alinae. À l'Alinae Pongi. Pendant que les autres, Moutouna Moutouazo, Belela Nzambe nae, Moutouna Moutouazo, Luka. Pour Babi Kaleka Mouana, Jonas à l'Alinae Pongi. Il tire au sort, pour en revenir encore sur les paris, il tire au sort. Quand il tire au sort, à ce moment-là, il se rend compte que non, oh, mais Jonas, enfin, l'Éternel fait en sorte que Jonas soit tiré au sort. Donc, ce n'est pas du hasard.
Mais Jonas, qu'est-ce que tu as fait? Dès Jonas a tout béli, il a raconté son histoire. N'a pas si on a quand ils vont plus loin. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour les camos ici, là, Boboara, Namaï? Ils ont voulu essayer de revenir un peu. Ils ont voulu rentrer, mais non. Ils n'ont même pas réussi. Eh, on n'arrive pas, les conditions sont trop difficiles. En tout cas, Jonas, Boboara, Namaï. Quand on continue l'histoire de Jonas, juste là déjà, là, Boboara, Namaï, ceux qui étaient avec lui sur le bateau, car on a bateau, on a, au départ, Motuna Motuazali, Nanzambe Naye, mais par rapport à Likamona Bamonaki, Batoua Bamonaki. Les gens ont changé directement parce que, Bamoni Likambo, Tozo Vivro, non, 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 le dieu de Jonas, en fait, non, il est trop puissant par rapport à Banzambe Nabissou. On continue. Jonas, Babouaké Namaï. Donc, d'une certaine façon, Jonas meurt. Jonas meurt. Mais Dieu Naboni Monaye, et parce que Jonas devait accomplir une mission, un poisson arrive, une baleine, cette baleine avale Jonas. À ce moment-là, Jonas aussi se repentit. Jonas comprend. Dans le chapitre, dans le chapitre 2, pardon, on voit la prière de Jonas. Asengi bolim bisi alobi anzame sorti kilinga occasion opportunité là na okene suna bimia wana rosala musala na yo ou bien musala otinda kinga. Nzame par yoki est 3 jours dans le poisson. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Jonas est rejeté par le poisson. Et Jonas enfin se décide d'aller à Ninive. Jonas a quitté à Ninive, l'air à quitté à Ninive, à Bani Koteya. Ninive, Bodo Salamabe, Boti Kasu, Bo continue Nzambe à Robomabino. Et pas, enfin, pas paradoxalement, mais Naboningwa Nzambe, Jonas il se rend compte après que, mais, Bato, donc. On a raté, 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 et ça c'est le verset 10. Bayo kipe babongwani. Bayo kipe babongwani. Et l'air tatan zambé amoni ke batouana babongwani, que ces gens-là ont changé. A la ke la ki baron mabé. Il avait déjà dit que non, na robo mabino. Parce que mabé nabino est commis par nanga. Mais à ce moment-là, quand Dieu a vu qu'ils avaient changé, que Bandima Kinzambe, Azul et Kambouana, à Longoléango, à Boma Kibango les Soussoutés. À Boma Kibango les Soussoutés. Place Ndé Toroté les Mela, Yangwana. Jonas, tout d'abord. Jonas, dans la Bible que j'ai, il y a écrit Jonas, le serviteur désobéissant. Jonas, le serviteur désobéissant. Batindie, l'ikamwe pan zambé, y'a le bité. L'ikambo, on a ça la honte. Ce qui t'attend zambé, atindie, l'ikambo. Si Dieu t'envoie et t'a dit de faire quelque chose, ça la ango, le lenge, y'a l'ingé, l'yango. Il sait pourquoi il t'envoie, il sait pourquoi il te dit de le faire. Cherche pas à rajouter à gauche, cherche pas à rajouter à droite, ne réfléchis pas. Fais-le de la façon dont il te dit de le faire. Jonas, sa mission, c'était d'aller à Ninive pour n'avoir au bon la batouana. Il a dit non. Sous Kanango, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas est mort. Alors, quand je dis est mort, il devait mourir. C'est juste par l'amour de Dieu qu'il a été ravivé. Pendant ce temps-là, encore, il a eu le temps de réfléchir, de se poser des questions et de lui aussi se repentir. Il s'est repenti. Et il y a eu la résurrection, il est revenu à la vie. Nzambe soit atidio likambu salango lo lenge ya lingeli anwa. Kolongo late, kobakisate. Il sait pourquoi il te dit de le faire. Même s'il y a tout le monde qui est contre toi, fais-le. Parce que là, il y a un intérêt. Il a un intérêt, il sait pourquoi il te demande de le faire. Jonas a émis des doutes. Il s'est posé des questions. Mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais aller là-bas? Mais non. L'objectif, c'est d'atteindre Zambé Zari qui a sauvé Ninive. Et de ce fait-là, il fallait passer par Jonas. L'objectif de Dieu, il a été atteint. L'objectif de Dieu, il a été atteint. Et c'est passé par nous, les hommes. Nous concernant, Torlobaté, que
comme j'ai dit, nous ne sommes pas des prophètes, Bissobatou, non. Nous sommes des ambassadeurs. Quand je lis, moi, l'histoire de Jonas, d'une certaine façon, ça nous fait penser à nous, l'histoire que nous vivons actuellement ici. Tozalaï, côté Moroboye, Tindi Bissoir. Arrivant ici, regardez le pays où on vit, regardez les pays où on vit, comment c'est devenu compliqué. Regardez comment c'est devenu dur, que ce soit l'économie, que ce soit le social, que ce soit... Tout est devenu dur. Tout est devenu dur et compliqué. Et dans ça, encore une fois, donc, Toye Awa, avec une mission, avec un travail que Dieu nous a donné. Mais comme Jonas le dit ici, là, Jonas, il s'est endormi. Papa, maman, Tozolala, dans la cale. Réveillons-nous. Réveillons-nous, Tobé, les Lanzamen, Abisoli, Kamouanane, Amabeto, Longolango. Tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu nous demande de faire, qu'on puisse le mettre en place, tout simplement. Parce que si on ne le fait pas, on va aller vers la mort. Et cette mort-là nous sera préjudiciable. Cette similitude avec notre histoire, elle est grande, elle est forte. À nous vraiment de faire en sorte que Makamounioso, Otozo vivre, Makamounioso, Otozo mona, soyons vrais, que l'esprit de vérité puisse nous habiter. Qu'on puisse vraiment aller dans un sens où mission au Tatan Zambé a tiné la bisotokoro salaro. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'être présent, Mokolo, Tosengara, pardon, Pona. Makamounioso, Obiso, Awana, Europe, Napoto, Tosala, en France, pardon. Tosala, par rapport, il y a Papa Nabiso, je crois que c'était pour le centenaire de Papa qui se loquait, et oui, c'est à ce moment-là. Toutes ces choses-là, quand on les a fait ressortir, et les paroles que Papa nous a dit juste après, Toye bien haut, on les sait. On a une mission, Papa, Maman. Mabé Nabiso, et mon année déjà, comme à Ninive, Mabé Nabiso, et mon année déjà, est prêt au Tatanzabé. Ma bien abissé mon ami. Batindi biso mission. Tobonwana, pardon, pour qu'on puisse changer. À Ninive, les gens, quand ils ont entendu le message de Papa Jonas, les gens ont changé. Les gens se sont repentis. Tinaroa, Baronios, ils se sont tous repentis, ils ont changé, ils se sont dit non. Tolanda makamotata ou azoye bisabiso. Tolanda makamotata, papa ou abessi biso. C'est là où on se situe aujourd'hui. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, maman. Tout bon wana, tout changé. Olo tatan zambé alingi panabiso. Yango neto tia en application. Yango neto tia liboso. Parce que yango te permettre biso. Namukola souka. Toza la ilongo na bangelo na ye. Ndeto sili si boye. Na komo ya tata. Yamwa na pemoli mon santo. Amen. Tote yama to pondela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzebo. Wise no babo kwanzambia moyo, nke mwangi tukulu kansongele nui. Nuise no babo kwanza mbya moyo Kimwangi tukulu kansongele Ye masumu mendo mpelu sisa Kembela, tukembela Zambia moyo ke mwangi tukulu kansongele ye masumu mendo pelusisa kembela tukembela kembo semango uvata jadise kembo sietele O
Kulungulwa dise. Kwa banunga nga kolo abe fui kwa nga. Voya kwele mfube kembe langa ko. Fina mababo kwa nzambia moyo. Kembe la, tu kembe la. Fina mababo kwa nzambia moyo. Kembela, tu kembela, kembo se manga, uvata diadise, kembo se tele, ulungu luadise, kwa bandunga nga, kolo abe kwi kwa nga, vuya kwele mfube kembela. Fina mababo kwa nzambia moyo. Kembela, tu kembela. Fina mababo kwa nzambia moyo. Kembela. Kumbwa tata mwana pe, tata moli umo santo, toko continue programme na biso. Saint-Denis oye! Saint-Denis oye! Saint-Denis oye! Merci. Na banzi toko zwa tango molai penzate, me lilo bape ya muke eko yiko zangate. La foi passée, tant que tu kutanaki, tu parles qui l'iloba. L'ilope, tu l'oba quand même, l'iloba ya mouke. Parmi ma loba, o ya mouke, tu l'oba, tu l'andi matei, o yo, ba outi kote, ya biso, na papa, na biso. Ce qui est aux huiles, kambukati ya matei, yoana, ezali yango yo. L'ilo, Lingomba soki respect ezali penza te e wuti bisika oyo ye a wuti koteya. Tobandi na irresponsabilité ya biso ba parents vis-à-vis ya bana na biso. Pe manque ya respect ya bana na biso vis-à-vis ya biso ba parents. Tango to longwe na niveau wana e mati ti na balabala. Tango e longwe manque à respect wana na balabala ikoti na lingomba. Mwana muke na lingomba nikoto sa mokolo te, mokolo pe alingi ko se faire respecter te vis-à-vis ya bana mike. Tango to longwe na étape wana imati na bambuta ya lingomba. Total acheminement nango ewuti na ndako, elongwe na ndako, ekoti na balabala, elongwe na balabala, ekoti na ba groupe, na ba groupe ekoti na lingomba, lingomba ezali kaka komata. Na yango mae oyo papa longi ate ibiso awa. Vraiment soki to meki ko sala effort po ete respect wana biso ba parents na bandako. Tout soit par responsabilité na biso. Même si moi na wana yé mutazali ko sombela onyonso, mais zoatan ya kote ya yé. Bana, même si yo mutazali ko ko s'occuper na ba parents na yo, zoatan ya koto sabango. Ba ibiso to kola ki, tango biso to zali ko kola, même tata ya balabala azali tata na yo. Yaya ya balabala azali yaya na yo. Osengeli kotosa ye. Lo lenge moko bisope na kati ya eglise. Yo mama, mwana na yo balobi na elika muke na mama mususu. O telemeli yo lobi na mwana na ngaite. Ce n'est pas ça l'éducation. Tozo boma lingomba lo lenge wana. Lelo nga na telemi liboso na bino nazali pasteur national tokoloba naza tata oui me na kati awa ba mikolo nanga bazali ba yaya bazali na yebi bango banda to bandi tozaki bana mike
Papa ito uti ti lelo, je leur dois du respect. Pe bango pa iba utambula ka ba upe sangai respect po ngai nazali koto sa bango. Bango pe bazali koto sangai lo lenge moko bale ki pe bazali. To pesa na kilo po ete to longola lingomba o na soni. To longola lingomba na biso na soni. Respect. Bana toto sa ba paron. Même si yom tozali ko sokipe na ye na nyons. Ba paron to sokipe na bana biso. Ndenge ba uti kote ya biso. Pe to matisa yango ti na ba paron ya baninga, na ba yaya ya baninga, pe na lingomba. Toto sa ba responsable. Ezali yako comprendre te yo mondimi, yo mwana ozolo bana mkolo, ozolo akse musabi. Yo mondimi, yo mwana ozolo bana mbuta, ozolo bana el, comme si ozali ko s'adresse na camarade na yo. Un peu di respect. To longola lingomba na model wana. Wana toleki. Moi, observation, je suis là, je suis là, je suis là, na mekaka là, je suis là, direct. Bandeko ya Faki, tout comme ya GG ki. Pa inyo so bozali kotambola na maman, pe na biso, boye bake, esika wana ler bokomi, bokomi batwe esika wana. Tango balobi Saint-Denis, oye, bino pe bolobi, oye. Tango to kena Lille, balobi Lille, oye, bokomi batwa, Lille, oye. Nga, na futa ka karte na Saint-Ouen. Tango balobi Saint-Denis, oye, na tombo ilo boko. Po nazali national. Faki, Jejeki, pe équipe nyonso tozo tambola tango to komi na Saint-Denis bokomi ya Saint-Denis bokotia mbongo na Saint-Denis. Tango tozo sala ntinzani non pas seulement biso lokola ngai na futa carte na Saint-Ouen na bimi na ke na voiture na vandi non musale zo sala mabongo te. Pa nyonso to kokende tozali kotonga lingomba ya papa Simo Kimbangu. Tokotia mbongo tokosala musala. Tango to ye jeje ki balobite, non, lokola toke kuna, ezali batwa kuna, nga na zalaka kuna, e, makambwana itali bango, non. Toko tambo la elongo, toko sala mosala elongo. Tango ba pesi slogan, toko repondre elongo. Toko sala nyonso elongo, wana ba bengi esprit d'équipe. Lolenge mukolo mwaye yenga, toko zana Lille. Oye kolanda programme se salamaki toko pesa yango na tango esengeli. Be biso pe o tozali kolanda so ki kaka fakie ke yo polandi. Me na paroisse na yo pe baza na posa na yo. Dimanche oye koya ler ba faki ba kokende. Ye na ba mama nyon so yo ba mbel na mon bazali la nini ndenge papa pase la lobi zangi etikali 25 place. 25 place on etikali ya batu o bazali bazo faire partir na nation. Ezali a bisoté toya na ba paroisse poto tonga lingomba toya na ba paroisse poto sala misala totika kolanda landa na banzi wana toyokani makambo ebela koloba ezali te me toye ba ete respect e koma cheval de bataille na biso toye ba kotosa bayaya toye ba kotosa na biso toye ba kotosa ba parent na biso to ye ba pe kotosa ba mbuta ya lingomba. Pe to komisaka makambu makasi te. Omoni lika omke o yebele yango tatina te, o matisi yango komisyon munene, o pe o panzi partu, ezali mabe, ezali kimundimi te. To suki wana na kombwa tata mwana pe tata molio mosanto. Amen. To leki na kotele misa mama na biso. Nde to kosenga na mama. Conseillère directe, il y a Mokonzi Aboulé, maman Mwilu Marie, qui n'a à quoi côté les maillots, c'est conseillère directe, il y a papa Topé, ça y est, Mbote, il y a Essengo.
okope sa mama na biso mbote ya esengope ya lokumu oye zali na rana ye na komo bisa tabule na komba tata mwana mulio mosantu merci nde toko senga kaka na mama za kotelema po ete akwa koyamba mbote ya lokumu ya mokonzi ya bule.
Kimbangiz moye. Kimbangiz moye. Tika to koka kobongisa maboko na biso. Poete tope sa papa na biso. Mbote bisika zali. Aye ba ete. Awa pe to zali kope sa ye mbote. Na kombo misa to aboule. Na kombo tata. Mwana. Molimo mosantu. Nde toko senga bako wakupesa mikropa ya mama na biso kwa alendi sa biso. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Papa ya liboso to pesio merci na bolingo yo ko lakisa kabiso moko na mokolo. Ya solo papa izali habitude te ke tongo etani to lamuki. Bobele na mawana yo osili ko beta biso mbata. Oye lamusi biso po ete opesi biso encore une dernière chance. Poto kuka ko se repentir. Bana no mingi bazongisi milimwe pa ina yo. Toleki bangone loko mokote. Kaka bele mawana yo. Nandenge yo nzambe ko sala ka programme na yo abu nzambe. Mingi nangonga oyo papa. Baza na bopito ko bosa na bangote. Oyo pe bazongisi milimo. Ba uti na se atangu bipai pase eli. Ata na moko bokanisi la bango. Biso pe to ye to meli bakisi ya ndenge na ndenge. To zui ba traitement ya ndenge na ndenge oye memi biso nesiko yo. Soki nzoto ya na pasi te molimo ezali pe na pasi. Ya mwana to ye ki papa poete o recharge ba batterie na biso spirituel. To koka kozwa makasi to sale la bino. To bengyo pe yo moko tambusa biso te ya biso. Malobe zale angai te kase ute pa inabino. Poete mokolo ya suka ndenge boloba ki bolingi ko mwona biso banso de l'autre kote. Eko kakukomi sa biso ndenge bolingo na bino ezali na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Kimbangiz moye. Oye. Saint Denis oye. Oye. Tata molimo santo oye. Nkamba oye. Oye. Ya solo batatana ba mama ndenge to yoki culte na biso na 18h to silisi. Malobe zali mingi te na banzi to yoki matei. Basili kolesa biso bakotangela ka biso mukanda mwa nzambe. Bisika nyonso to sangani na mibeko oyo nde kokwesa ka biso tango nyonso. Ba papa na ba maman, lelo tozali le 3 décembre. Dans quelques jours, toko silisa année 2023. Année oyonga na benga ki ango année spéciale. Na bandi o tozala ki na mboka le 1er décembre, papa souhaita ki biso ba vœu. Père Senga Kibiso, te remettre ma compteur na biso à zéro. Lelo le 3 décembre, Moutou na Moutou a sala bilan naïe. Pamba teti le 31 décembre, dans quelques jours,
toyebite makamuni nezali kozela biso. Maloba ya Nzambe koki koleka te tolandi Nzembo ajete ki. Nyonso elobama ekosalema pe tokomona yango. Toluka tomona oya kitoko kasi oya pasi te. Pamba te pasi pe ezali koya. Ese bandaki. Soki totali na mboka na biso kimia ezali te. Na este toyebi mayema ezali koleka kuna. Afrique ezali kaka na pasi. Na Europe pe tomoni pasi ekoti. Tozali kokende wapi batata na ba mama. Nzambe alobi akosala likambo nanu esalema na mokili te. Likambo yango tokomituna ke kozalaka nini. Nzambe azali kosenga biso tobongwana. Totika mabe ndenge bazali koteya biso. Ndenge bateyi biso pe lelo. Le respect mutuel. Wana ndeko monisa biso ba Nzambe na biso. Pamba te soko lingi Nzambe. Po lelo na slogan Tata Molimo Santo oye biso nyonso tozalaka na esengo. Mais est-ce que oyo azali kotinda tozali kosalela yango? Tozala bana na mayele. Toyeba kete toza na nzela ya solo. Pamba te mayema koya lobi lobi kuna biso tozalaka verti. Tala makambo eza koya liboso. Nzembo mosusu ya jeteke lobi na bateli bino na mopepe kasi na mbula. Bosala nini? Ya solo tokolobe te ba parapluie ezali. Kasi eza ya molimo. Biso nde tokolakisa na mokili. Ndenge bapesaki biso Zakari 8, 23. Mokolo wana bakokanga biso na bilamba. Tolakisa Nzambe na biso azali wapi. Pamba te sango ekopanzana. Likambo munene kosalema. Mokili ekoloba. Soki toyebaki. Mbele tolandaki bato oyo. Nde tango bakokanga biso na bilamba. Balanda biso. Poto lakisa bango esika nini Nzambe afandi. Nzambe afandi wapi? Toko nzimaka yango? Ou bien toko zalaka na badout? Kimbangiz moye. Bilombe ya papa simo kimbangu kianga nyoye. Bozana chance makasi. Slogan wana boyebe pa yewute hein? Ya solo batata na ba mama. Bana Paris Saint-Denis tozali pe na nyongo. Totambola kaka na solo. Nzambe kokosaka te. Toza komona ba signe nyonso ezali kosalema. Le temps ya pardon et c'est leki. Tolo bakate ana kosala mabe. En tout cas moto ana koyeba ngana kosenga Nzambe pardon. Yo yebe mokoloni ni ye Nzambe koyela biso. Oya koya kopona oya ye. Tango ya grâce Nzambe atikeli biso tant mingi. Eko banda le 1er janvier 2023 mokonzi abula lobi to remettre ba compteur à zéro. Reculer pour mieux sauter. Lelo le 3 décembre. Tango baloba ki ango le 1er janvier na monaki décembre ango tokokoma. Na mawana ye akomisi biso poposa ya Nzambe mokolo wana biso nyonso tozale longo ekozale sengo mingi. Tango tokutanaka deja boye ekozala ke sengo. On est tous là. Toza kolia bile ya bomoi. Toza liko partaje misala oyo Nzambe azali kosenga biso tosala. Me balobi
le temps de grâce est passé. Dimanche passé, na sainte na senga kinzembo, mes titres ne na eba ki ango malamute. Mes alibi lembo, na ebite dirigeant soki boyebi nzembo wana. Papa dirigeant zawapi. To mama dirigeante. Nzamba kosate, ako kosate. Tozo kende na mama na likambo. Babi lembo tozali komona yango. Tozkomi na suka ya likambo. Tozozonga simate batata na ba mama. Tozali ko avancer. Baloba kakaka boye baloba kaboye, me likambo yango ekokokisa ma batata na ba mama. Tokomi na suka ya likambo. Totala kaka bipai tozali ko kende. Toti kamabe, to sala malamu, to sala bana na botosi. To tonga yelu selemi batata na ba mama. Tokomi na suka ya likambo batata na ba mama, mais tozali ko se rendre compte te. Tozo continue kana ba futilité. Ah bande ko na ngai. Le 6 avril nani ayebaka batu pamba lokola biso. Tomona na kibi loko pamba liboso ya batu mususu. Mais lelo le 6 avril ya biso te. Aïe aïe aïe, na RDC Mobimba. Journée fériée. Ah là là. Nanya yebaki. Le 6 avril. Oyo papa Simon Kimbango a bandi moussala na ye. Bamonaki moutou mouindou. Oya zako loba pebongo za moutou mouindou. Bilembo zali komona na batata na ba mama. Tosala ba recherche. Tokomi na fin de temps. Aïe aïe aïe. Merci dirigeant. Tolandin Zembo to komina suka ya likambo. Ya solo passe le ki. Tango to sako mona abaloba kakaka boye baloba kabo. Nzamba kosaka. Ya bison nzamba kosaka te. Oyo nyonso elobama. Liloba to yoki yango. Oyo nyonso elobama batatana ba mama. Ngana sina vivre neuf. Donc, tozako zela, oya souka na likambu. La fin des temps est terminée. Donc, to komi vraiment na mama na likambu. D'ici peu. Mais, abaloba kaka kaboye. Oui, baloba kaka kandengwana. Mais, nzambe akoko sakate batatana ba mama. Toti kaka kamabe, tozalabana na botosi. Tozalabana na botosi. Toyebi ete longezali. Mokili eko ye pa ya yonangai.
Totala kake pa ito zali kokende. Nani aye baki. Batuloko la biso. Bakomiko yako nuka biso. Tobandiko koma na importance. Kana mingi teoko yoka kaka. Lingomba ekotika la boni. To yebi lingomba ngo eh. Tonzi maka. Ah. Lokola tonzi maka, ça me fait plaisir. Ponga nanzi maka. Tango papa za ko enumerenga sur les 10. Maman talaboy. Talaboy, talaboy. Lokola na vivre ngo yango na sala ka sûr de moi. Sûr à 120% et sala katé pour ne pas dire 100%, mais nga na lobby à 120% et ko salema. Oya souke tikali na komona yango. Pamba te nyonso maman tala, 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 tala. Kimbangis moye. Ya solo tozala na botosi. Papa zali ko senga biso. Totonga na biso. Tozala na botosi. To lingana. To pesana respect ndenge bateyi biso. Poete mokolwane kozala mama na likambo. E kozala likambo ya ndenge mususu. Toko miye bali susu te. Kolia pe toko bosa na yango. Yangwana batata na ba mama mai batei biso to bomba peto salela. Soki musale banji ndenge batei biso, ya des besoins naturels, ça on le sait. Okay, une deux minutes osali nini? Ozongi na kati ya? Malili pe ya makasi me. Ah! Batakwanga na makayabu. Bakolinga kaka bakende libanda po bakende kolia to pekisite. Mais okay, 2-3 minutes parce que balobi to sili sa heure nini? Et ça peut être que tu aussi ici 18h. Et ça m'a bête au malam. Tu as un peu de temps au malam. Mais ça va être aussi à 20 ou 30 minutes. Ce qu'on va faire, c'est un bouteillage. C'est dans la 3h, hein, tata na ba maman. Bisoka ka to se plenyaka. Eh, to sili si tard le lo. Eh, boye. Mais ce qui to sali noki, to défilé na biso. Pour musique, wana ba tiango, pour ton défilé. Pamba te défilé wane sala ka makambu. To yebito, to yebite. Kasi. Yangwana soki to bandi misala to sana kati. Pon tsinsani na biso ko sila un jour. Tonzi mara yango? Ah, na sepeli makambu nyoso to yebie. Très bien. Oye batei biso to bomba pe to sale la pomo kola suka to sa ko biksa mana kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Imbangiz moye. Toyoki to toyoki te. To sepeli to sepeli te. Toto sa. Soki musale bandi biso nyonso na kati. Maman ezala batata na ba maman. Batata misuba yena ba vesta wa. Egoye bana so eza penza ba vesta solo. To yamba malendi si ya maman na biso. Apesi biso na mokolo mwalelo. Na kombo misato ya boule. Na kombo tata. Mwana, mulio mosantu.